Madame, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver à ce bulletin de météo de ce mardi 16 avril 2024. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous avons déjà bien sûr le soleil qui s'est présent dans la ville de Kinshasa, mais bien sûr avec des menaces des pluies qui s'est fait remarquer bien sûr en début de la journée. 32 degrés Celsius de température maximale et elle baissera à 23 degrés Celsius, ce qui donne déjà une humidité de 60% et un vent qui circule bien sûr entre 7 à 24 km par heure. Tandis que la ville de Mbujimayi, c'est une journée ensoleillée qui se présente. Pendant la journée, bien sûr, nous avons la pluie qui s'annonce après la chaleur qui régnera entre 34 à 21 degrés Celsius. Nous avons 70% d'humidité dans la ville de Mbujimayi avec un vent qui circule entre 10 à 25 km par heure. Nous remarquons que Matadiki, Ndwe Butembo nous donne aussi, bien sûr, des menaces de plumes avec le soleil qui règne entre 31 à 23 pour la ville de Matadi, 36 à 23 pour la ville de Kindu plutôt, oui, et Butembo nous donne 25 à 15 degrés Celsius, ce qui veut dire que dans la journée, il fera chaud, mais en fin de journée, la température sera un peu ambiante à 15 degrés, température minimale. 60% d'humidité pour Butembo, 11 à 30 km par heure de vent. Pour la ville de Kindu, nous avons 50% d'humidité avec 9 à 27. Et pour la ville de Matadi, nous avons 30% d'humidité avec un vent qui circule entre 6 à 16 km par heure. Bien sûr, nous passons, nous sommes dans la ville de Kikwit. C'est bien sûr le soleil qui s'annonce en début de journée dans la ville de Kikwit avec une température élevée de 32 degrés Celsius. À 21 température minimale, ce qui nous donne bien sûr 60% d'humidité et un vent qui circule entre 10 à 27 km par heure. Mais nous remarquons que cette chaleur causera une pluie en fin de journée. 34 températures élevées dans la ville de Bandaka ainsi que Bandundu. Mais bien sûr, derrière ces nuages, plutôt derrière ce soleil, nous avons le nuage qui apparaît pour donner une pluie en fin de journée. Nous avons 40% d'humidité pour la ville de Bandaka. Bandundu nous donne aussi une humidité de 50% avec un vent de 7 à 25 pour la ville de Bandaka. Pour la ville de Bandundu, c'est une précipitation de vent entre 9 à 21 km par heure. Le soleil s'annonce aussi dans la ville de Goma ainsi que la ville aussi de Kolwezi. À la différence que la pluie s'annonce en fin de journée malgré la température élevée de 23 à une température minimale de 18 degrés Celsius pour la ville de Goma. 70% d'humidité et un vent qui circule entre 9 à 24 km par heure. Pour Kolwezi, c'est le soleil qui apparaît, mais nous avons la présence de nuages tout justement derrière le soleil pour essayer de calmer la chaleur. Et bien sûr, elle sera ambiante à 16 degrés Celsius en fin de journée. 70% d'humidité et un vent qui circule entre 23 à 48 km par heure. Nous sommes dans la merveilleuse ville de Moanda. Nous avons bien sûr le soleil dans la ville de Moanda, le soleil dans la ville de Kalimi, Lubumbashi, ainsi que Kisangani en début de journée. Nous remarquons que derrière ce soleil, nous avons la pluie qui s'annonce en fin de la journée. 31 degrés Celsius, température élevée pour Moanda. À 25, nous remarquons que c'est une température minimale. 28 à 21 pour la ville de Kalimi. Lubumbashi nous donne 25 à 16 degrés Celsius, mais ce qui veut dire que dans la ville de Lubumbashi, nous avons la présence de soleil, bien sûr, avec les nuages qui essaient juste d'essayer de baisser plutôt la température dans cette ville, c'est qui présente déjà aucune humidité, mais avec un vent de 18 à 37 km par heure. Pour la ville de Kisangani, ici, le soleil à 36, température élevée à 36 degrés Celsius, il fera très chaud dans la ville de Kisangani avec une faible humidité de 30%. Et bien sûr, la température baissera de temps en temps jusqu'à 23 degrés Celsius, une température normale dans la ville de Kisangani, une précipitation de vent entre 12 à 23. Qui à 32 plutôt km par heure. Tandis que la ville de Kananga présente déjà 60% d'humidité avec une précipitation de entre 10 à 27 km par heure, ce qui veut dire que ce sont des menaces de pluie. Le soleil apparaît entre 32 à 21 degrés Celsius. Et bien sûr, pour terminer ces bulletins de météo, nous sommes dans la ville de Kamina. Ces menaces de pluie dans la ville de Kamina, bien sûr, avec le soleil qui apparaît entre 29 à 19 degrés Celsius, température normale pour la ville de Kamina, une humidité de 50% et un vent qui se présente entre 13 à 30 km par heure. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin de météo. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.